which part, no man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pocket like a sack. Yep, les gens, c'est bien tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch, donc j'espère que vous allez bien et cette vidéo vous l'attendiez depuis longtemps parce que vous m'avez envoyé de messages et de commentaires pour savoir quand la vidéo sortait, la série de vidéos sur le concours, sur les résultats, etc. sortait. Et finalement voilà, tout ça sort et donc j'espère que ce petit concours vous aura plu, donc n'hésitez pas à revenir tenter votre chance si vous avez perdu. En tout cas, il y a eu une trentaine de gagnants, parce que j'ai fait à chaque fois des gagnants en plus. Donc si vous avez perdu, n'hésitez pas à venir retenter votre chance, puisque j'étais à 12 300 000 kamas il y a une semaine, et là je suis à 18 millions de kamas les gens, donc dans moins de 2 semaines, je serai aux 30 millions de kamas je pense, ou alors maximum 3 semaines, et là je relancerai tous les concours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma chaîne et comme ça vous allez pouvoir suivre tous ces concours. Donc cette introduction là, mon vocal que je vais faire, je vais mettre le même pour les 5 parties du concours. Donc soit vous allez voir la partie à Suffocia, donc là on était plus d'une centaine, donc merci beaucoup d'avoir tous répondu à l'appel. D'ailleurs en parlant du nombre, on a dépassé les 1000 abonnés hier soir, donc merci beaucoup à vous de vous abonner à ma chaîne et de me suivre. Donc on était plus d'une centaine au premier concours à Suffocia, c'était trouver des nombres entre 0 et 100, alors vous allez pouvoir penser que ça c'était de la triche, mais mon pote de guild avec qui ça faisait longtemps que je jouais, il est venu et comme par hasard il a trouvé deux fois il a trouvé deux fois le bon nombre. Alors non, on ne trichait pas les gens, ça sert à rien de faire les haters dans les commentaires. Si je fais ce concours c'est pour donner des kamas, c'est pas pour tricher. Et puis de toute manière il y a encore les 4 autres concours, en tout il y a 30 gagnants, il a gagné 2 ou 3 fois je crois. Et donc ça voudrait dire qu'il y avait quand même 27 gagnants, donc il a gagné une petite somme vu tout ce qu'il y avait à gagner. Et donc franchement on a pas triché. S'il a gagné 2 fois d'affilée, si vous regardez la première vidéo, c'est vraiment un coup de chance et un gros coup de hasard. Donc vous pouvez soit vous regarder cette vidéo, soit vous regarder à la maison. Donc je vous explique, pour la maison à Bonta, il y avait les 3 pièces. Quand j'ai lancé le concours, les gens ils devaient se cacher dans une des pièces, hein, je leur explique parce qu'il y en a qui sont peut-être pas au courant des règles. Ils devaient se cacher dans une des 3 pièces, moi je marquais sur le canal une pièce à chaque fois et tous les gens qui étaient dans telle pièce étaient virés de la maison. Alors il y a eu un petit problème parce que au début, le premier tour j'ai viré les gens mais j'ai oublié de changer le mot de passe. Genre j'aurais dû changer le mot de passe avant de les virer et du coup ils sont re-rentrés, quelques-uns en tout cas. Il y en a qui n'ont pas triché donc je les remercie, mais il y en a d'autres qui ont essayé de tricher. Je les ai repérés, ils n'ont pas gagné, ne vous inquiétez pas, de toute manière vous le remarquerez. Aussi au début le code c'était 232323, si vous n'avez pas réussi à rentrer j'avais changé le code 000, j'avais mis en 0, j'avais mis que des 0. En tout cas j'avais bien prévenu en recrutement et commerce, normalement si vous aviez les canaux activés comme j'avais demandé pour suivre toutes les informations, vous avez tout. Du coup on était vraiment pas mal aussi dans ma maison, donc ensuite on a aussi fait un concours à Brakmar et à Bonta, il fallait me trouver. Alors ça c'était vraiment énorme, si vous regardez, selon la vidéo que vous regardez, donc là je vais enchaîner les 5 et je vais prévoir la vidéo de façon à ce qu'elle sorte toute cette semaine. Et si vous étiez au concours où il fallait me trouver à Bonta et Brak, c'était vraiment énorme, puisque moi j'étais caché en Minoto et il y avait énormément de monde qui passait devant moi. Et les gens ne me voyaient pas, du coup vous aurez pu, enfin je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître dans cette vidéo, mais qui auraient pu gagner le concours et qui ont foiré parce que tout simplement ils sont passés, ils ont pas fait attention. Après je donnais des petits aides, hein, j'avais pas précisé, mais je me suis dit que ce serait trop compliqué sinon. Je donnais des petits aides, donc dans la première partie à Bonta aussi, au début je pensais le faire qu'aux Zappy. On était beaucoup trop, donc quand je me suis mis uniquement aux Zappy, les gens, je me suis à peine téléporté à un Zappy qui a... Il y a 3 personnes qui sont téléportées au même endroit que moi. Et du coup, alors pourtant, je me suis transporté à l'arène. Donc il y a pas mal de monde qui m'ont suivi. Donc c'était injouable, ça servait à rien. J'ai donné seulement 500 000 kamas à cette première partie. Et en tout, à ce concours, j'ai dû gagner 1 700 000 juste à la partie à Bonta. Étant donné que comme j'avais donné que 100 000 parce que c'était trop facile, c'était fini en 30 secondes, il n'y avait aucun intérêt. J'ai tout relancé, donc je me suis recaché. Et cette fois-ci, je m'étais caché à la porte de Bonta. Et là, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui ont du mal à me trouver. J'ai mis pas mal d'indices. Et finalement, au bout d'un moment, pas mal de personnes sont venues me trouver. Il y a eu un problème parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont trouvé en même temps. Et il y en a qui lançaient échange, d'autres qui m'envoyaient des messages. Normalement, j'aurais dû donner que ceux qui envoyaient des messages. Mais j'ai préféré donner à tout le monde et de pas faire d'exception. Et enfin si, justement, de faire des exceptions. Et du coup, de donner à plus de monde que 5 gagnants. Donc...
Ensuite, il y a eu la partie à Brakmar. Alors là, c'était vraiment énorme aussi. Donc, comme je vous ai dit, il y avait des groupes de 2-3 personnes qui étaient ensemble et qui me... Donc là, vous pouvez voir dans la vidéo, derrière, il y a un mec qui m'insulte parce qu'il rage, parce qu'il arrive... Parce que je l'ai exclu tout simplement, alors que c'était les règles du jeu. Bon, on peut pas comprendre, sinon les autres, vous avez été vraiment super cool, donc merci à vous. Et la dernière partie, c'était sur l'île de Noël. Alors là aussi, c'était vraiment énorme. J'étais caché dans un sapin vers le... je crois que j'étais 3-4 maps au-dessus du Digi, du milieu, et une map à gauche. Et donc il y a quelqu'un qui m'avait TP, je me suis rappelé du pseudo, mais merci à toi. Et j'étais caché derrière un sapin et les gens m'ont pas trouvé. Enfin, ils m'ont pas trouvé. Ils ont mis du temps à me trouver. Dès que j'ai dit l'indice qu'il y avait de l'eau au milieu de la map, là il y a pas mal de monde qui ont commencé à tourner à ma map. Il y avait même du monde qui arrivait à... Il y avait même du monde qui arrivait à ma map, qui tournait tout autour et qui me voyait pas tellement j'étais bien caché. J'étais caché derrière un sapin tout en haut à droite et j'étais transformé en Minotaur. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, donc j'espère que j'ai pas été trop long dans mon commentaire, etc. Que ça a bien accompagné la vidéo, donc dites-moi tout ça dans les commentaires pour récompenser le travail fourni, puisque derrière il y a énormément de boulot. Chaque concours durait entre 30 et 40 minutes, je crois que le max c'était 38 minutes, donc jamais en dessous de 30 minutes, c'était vraiment entre à peu près 35 minutes à chaque fois, donc c'était assez long. Ensuite à chaque fois je me connectais une heure avant, pour ou alors une demi-heure avant pour... faire le plus de pubs pour qu'on soit le plus possible. Et du coup j'ai vraiment travaillé beaucoup sur ce concours, donc si vous en voulez d'autres, vraiment lâchez énormément des likes, commentez et tout, puisque dans 2-3 semaines je vais tout relancer, j'aurai 30 millions de camas et je vais relancer 5 ou 10 millions de camas gagnés. Et à partir de ce moment là je ferai ça, je pense, toutes les semaines. Je pense chaque week-end il y aura 5 millions de camas gagnés. Donc ça, ça sera vraiment énorme, je pense. 5 millions de gamma à gagner chaque week-end. Je pense que ça vous plaira. Alors je ne vous oblige pas à vous abonner, vous faites comme vous voulez, tout le monde peut participer. Mais pour me récompenser, ça serait vraiment super cool que vous vous abonniez. Donc voilà, donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, récompensez le travail fourni. Et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour de prochains concours. Ok, ciao, ciao tout le monde. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.